Ah, c'est pas possible. Comment qu'il fait chaud dans la chaîne? Moi, je pense que mon front, il commence à perler. Mais comment ça qu'il fait si chaud que ça dans la chaîne? On a un invité dans la chaîne aujourd'hui, puis c'est Gilles Légaré. Ah ben! C'est un plaisir de venir chéder avec vous autres. Toi, là, tu fais des compositions que t'es venu chanter avec nous. En fait, on a déjà fait les chansons, là, mais on va faire semblant qu'on va aller les écouter, tu sais. Okay. Mais, bon, t'as fait des albums dans ta vie. Ben, j'ai fait un album en 92, un autre en 94, et puis après ça, une pause de dizaines d'années. OK. Question de réfléchir à ce que c'était devenu la musique. D'ailleurs, j'en faisais plus. Okay. J'avais lâché complètement, j'avais tout vendu, plus absolument rien. Et je suis remonté sur scène en 2006,
Le premier album s'appelait Prêtez-moi une oreille pour, en fin de compte, dire ben, prêtez-moi-en une parce que j'ai une oreille et un support à chapeau. Et l'autre côté, c'était ben, écoutez-moi. Écoutez ce que j'ai à dire. Et le deuxième album est venu en 1994. Mais finalement, Prêtez-moi une oreille, la chanson tirée de cet album-là, c'est... Tourner en rond. Tourner en rond, qui est un questionnement d'une copine à moi qui était à Québec. C'est une tourne qui s'est faite au téléphone. Puis ça, c'est ça qui est le fun, parce qu'elle ne savait pas où s'enligner. Elle avait deux choix. Puis elle me demandait un peu comme de prendre la décision pour elle. Puis je lui disais, tu sais, regarde, tourner en rond, ça ne mène pas loin, fille. Il va falloir que... Prends un chemin, là. Prends-en un bon, un mauvais, n'importe quoi. Mais c'est pas grave. Prends-en un, vas-y, t'es trompé, reviens, prends l'autre. Et pendant qu'elle me parlait au téléphone, ben, j'écrivais les phrases. La deuxième chanson est tirée sûrement de ton retour à la musique. Qui va être sur le prochain album. Oh! Qui est en préparation et qui va sortir dans peut-être les 10 prochaines années. La chanson est quand même assez âgée, puisqu'elle a été composée dans les fins des années 90 et qui s'appelle « Médisance ». Histoire d'amitié. D'amitié qui ne tourne pas tout le temps bien, mais à cause de tierces personnes méchantes. Ah, c'est pas drôle ça. Gilles Légaré, on a bien honte d'entendre ça, ces deux chansons-là. Et je vous remercie de l'invitation. Ce fut un plaisir de venir calorifier avec vous autres dans la chaîne. En espérant que les gens à la maison apprécient aussi ce passage de Gilles Légaré. Alors, qu'alors y faire? Hein? Sans savoir ce qu'ils disent, se donnent du mal pour le bien d'une grise. C'est à eux qu'on doit ce dilemme entre nous. Ils gagnent le combat sans recevoir un coup. Ces faiseurs de troubles, ces raconteurs d'histoires, comme des agents doubles, ne se font jamais voir. Ils frappent dans le dos, n'ont pas peur de mentir. Ces clips illicaux pour ne pas se trahir. Y'a pas d'amitié sans confiance. Le doute vient hanter nos silences. Y'a rien qui fait plus mal, je pense, que la médisance. Erreurs qui se sont accrochées, comme blessures au cœur difficiles à soigner, ont servi d'otage pendant toutes ces années, enfermés en cage, comment les libérer? Les fautes endormies sous la couche de poussière se pointent aujourd'hui au balai des commères. Comme un bruit qui court au-delà de la peur et propage autour la puissante rumeur. Y'a pas d'amitié sans confiance. Le doute vient hanter nos silences. Y'a pas plus mal qui fait que je pense que la médisance. Y'a pas d'amitié sans confiance. Le doute vient hanter nos silences. Y'a rien qui fait plus mal, je pense, que la médisance. Thank you.
fait vraiment chaud dans votre chaîne. C'est le concept, ça a un peu donné le nom de l'émission. Je pense que mon front, il commence à perler. Ouais, mais perler, pimpin. Moi, en fait, mes 10 ans, je sais pas ce que ça veut dire. En fait, je sais pas quoi te poser comme question. D'habitude, ça vient pendant que je la pose.